Donc, suite à recherche de fuite électroacoustique par gaz traceur, ici nous creusons donc la terre afin de retrouver l'arrivée d'eau pour remplacer le morceau de tuyau incriminé. Nous allons procéder à une recherche de fuite électroacoustique au moyen donc d'azote dans cette bouteille. Voilà. Que l'on envoie sous pression à l'intérieur des tuyaux. Et ensuite, avec un détecteur d'azote au-dessus du sol, nous pourrons localiser à 50 cm près une fuite enterrée sur un réseau à peu près à 1 mètre, 1 mètre 10 de profondeur. Donc recherche de fuite électro-acoustique, voilà, avec traçage et repérage.